Boum! Salut les gars! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle commande d'Azos. Putain, la vieille machine là. Donc je disais nouvelle commande d'Azos. Encore une nouvelle fois, mais cette fois-ci pour une, on va dire, chemise et veste à la fois sans manches. Et vous allez comprendre de suite pourquoi. Parce que mon idole en porte une qui est vraiment ressemblante. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur dessus. Donc du coup je me suis dit faut que je l'achète. C'est dommage pour Faraway. Il aurait mis les nouveaux Toxics Dune un peu plus avant sur son site. J'aurais acheté chez lui. Et bon, ça sera pour une prochaine fois. De toute façon c'est sûr et certain que j'achèterai chez lui hein, et qu'il ne s'inquiète pas. D'ailleurs coucou à lui et, j'espère qu'il va bien. Et allez sur son site que je marque ici. Donc nouvelle commande chez Azos. Et puis bah tout de suite le déballage. Comme ça vous verrez bien ce que ça donne. C'est parti pour le déballage les gars. J'ai ouvert pour faciliter un peu les choses. Donc on va faire ça. Hop. Alors il n'y a rien. Hop. Alors voici la fameuse chemise qui ne s'appelle pas comme ça d'ailleurs. Je vais vous dire un peu comment ça s'appelle. Alors c'est la description, donc c'est Azos Sleeveless Shirt with Buffalo Check. Donc non, on va pas manger au buffalo. J'en ai marre de moi. Enfin bref. Le code produit, si vous voulez, c'est 33 67 73 0. Donc voilà. C'est bon. Donc je répète sur Azos, j'ai pris du S. Donc voilà un peu le tour. Donc ça fait un peu taillé oversize et la coupe elle est vraiment stylée à mort. N'hésitez pas à prendre une taille en dessous si vous voulez que vos épaules ou vos bras ressentent vachement bien de cette veste là, parce que bah elle a, c'est pas comme un t-shirt, donc les manches sont pas comptées dedans, ils font vraiment par rapport à la carrure. Donc ça fait une petite taille en plus. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à prendre une taille en dessous si vous voulez vraiment que ça soit bien, vous paraissiez bien stuck dedans. Moi personnellement j'ai pris la même taille parce que bon voilà. Donc le S avec l'effet déchirure un peu ici, des petits boutons pour que ça fasse un peu style chemise. Franchement je kiffe vraiment bien la couleur et tout. Un petit salut à Elliot parce que bah c'est grâce à lui hein, que j'ai trouvé cette chemise. Il m'avait dit en cherchant, j'ai trouvé un truc qui ressemble, donc tiens, vas-y, va sur Azos et puis voilà. Donc bah, je te remercie Elliot hein, parce que sans toi j'aurais pas trouvé. Tu es mon sauveur. Je suis sûr qu'il va rigoler comme un con encore. Bon, il a l'habitude. Enfin bref, donc à tout de suite pour l'essayage les gars. Donc voilà les gars, la chemise est mise. C'est le cas de le dire. La chemise est mise. Franchement, une coupe vraiment stylée, je trouve. Vous voyez sur le côté un peu oversize, arrondi, mais en pointe. Derrière, arrondi. Ce qui m'a fait penser au t-shirt oversize de Project X. Vous savez, un peu, c'est un peu leur style à eux de faire les oversize arrondis comme ça. Sur l'autre côté, pareil. Et franchement, de devant, ça donne super bien. Donc, je vous l'avais dit pour les épaules. Moi, j'ai pas les épaules qui ressortent vraiment bien parce que je les taffe pas forcément. Je fais pas attention à taffer les épaules. Mais voilà, c'est qu'on voit bien qu'il y a vraiment la longueur de la largeur de votre carrure en fait qui compte. Il y a vraiment que ça qui compte pour la taille et rien d'autre. Parce que vous pouvez voir que, bon, si vous voulez un oversize, vous êtes servi, c'est déjà un oversize. Donc, il n'y a pas besoin de prendre plus grand pour que ça passe plus grand. Vous voyez que, bon, ça dépasse par rapport à. Par exemple, un Marcel, voilà, un Marcel, faut que j'arrête. Donc voilà, ça c'est beaucoup plus grand, et franchement, c'est super quoi. Bah, moi je trouve que ça donne vraiment une bonne coupe. Donc, ce que je vous avais fait allusion tout à l'heure par rapport à Justin Bieber, je vous mets la photo là tout de suite, quelques photos de lui avec la chemise sans manches avec lequel, enfin. Il portait cette chemise là, donc je vous la montre maintenant. J'ai du mal à m'exprimer, je sais pas c'est quoi, je crois que c'est le soleil qui m'a complètement désintégré le cerveau. Je sais pas ce que j'ai, mais alors là c'est pouf, je suis dans le vent total. Donc je vais vous dire, donc article fabriqué en flanelle douce, donc ça c'est vraiment pas mal. Le col est en pointe, donc comme vous pouvez le voir. Le col on n'en a pas parlé.
Et pas le col de l'utérus. Alors, il y a des pattes de boutonnage. Donc, je ne sais pas ce qu'ils entendent par pattes de boutonnage, mais je pense que c'est juste les boutons, tout simplement. Tu m'aurais dit les boutons, bah, une chemise, ça a des boutons, hein, mec, hein, donc c'est normal. Alors là, c'est écrit Raw Fried Sleeves. Ça, je sais pas, je comprends pas l'anglais. Coupe classique, taillant normalement. Ça, par contre, c'est complètement faux. Ça taille pas normalement. Voilà, ça taille pas normalement, c'est oversize, les gars. Donc, ne dis pas que ça taille normalement, parce que là, il y a un problème. Je prends du S, c'est les tailles que je prends d'habitude, et ça fait, ça m'arrive presque au genou, quoi. Non, bon, il y a quand même ça de plus, mais bon, voilà. Lavage en machine, 100% coton, donc attention à ceux qui sont allergiques. Et voilà, donc je vous mettrai le lien de l'article dans la description, parce que beaucoup me demandent de mettre les liens des articles que je porte dans la description, donc. Il n'y a pas de souci, je vous mettrai. Mais de toute façon, à chaque fois, je vous dis où trouver. Donc, si vous écoutez un peu mieux les vidéos, je pense que vous trouverez plus facilement. Mais vous vous inquiétez pas, je ferai ça quand même pour vous. On ne sait jamais, c'est vrai que des fois, on ne calcule pas vraiment tout. Donc, je peux comprendre. Donc, voilà. Donc, là, j'ai mis avec un Marcel, un jean skinny depuis les bières, des sky top blanches, donc des Supra, tout simplement. Hein. Donc voilà, je vais vous faire tout de suite une deuxième tenue. Je ne sais pas trop avec quoi je pourrais mettre ça, mais bon, voilà. Donc chemise Asos sans manches. Donc faites attention parce que la largeur, encore une nouvelle fois, hein, comme je vous l'ai déjà dit. Donc bah voilà, parce que là, c'est le soleil. Enfin, c'est le soleil, les gars, on est bronzés. Enfin, moi perso, je suis cramé, ça y est, c'est terminé pour moi. Je suis genre. On m'appelle Omar dans mon secteur. Ou l'homme Marcel. L'homme Marcel plutôt est plus approprié à moi. Parce que si je fais ça, si je lève juste mon Marcel, bah en fait, limite, j'ai pas besoin d'en porter un. Parce que j'en ai un sur mon corps, en fait, qui est déjà dégradé sur mon corps. Grâce au merveilleux coup de soleil que j'ai pu avoir dès les premières lueurs de ce fameux soleil. Et donc voilà, on m'appelle l'homme Marcel dans le milieu, quoi. Chez moi, c'est comme ça qu'on m'appelle. Yo, salut, homme Marcel, comment tu vas? Bien et toi? Enfin bref, voilà, tu vois. Des fois, je croise des fois des hommes t-shirt, soit en groupe. Mais moi, je suis l'unique et le seul, quoi. C'est vraiment, je suis le seul. Je suis au summum des hommes Marcel, quoi. Je suis le dieu des Marcel, tout simplement. Voilà. Priez pour moi, s'il vous plaît. Priez pour moi. Donc, faut vraiment que j'arrête là parce que franchement, je me barre dans un délire. Mais je suis sûr qu'il y en a plein dans les commentaires. Ils vont me traiter, ils vont me dire l'homme Marcel, ouais, ça va être mon nouveau blaze. Hashtag, mettez hashtag l'homme Marcel sur mon groupe et en commentaire. Mettez ça. Donc, voilà, je vais vous trouver une deuxième tenue, les gars, et puis je vous retrouve tout de suite. Donc, voilà, les gars, c'est parti pour la deuxième tenue. Je sais pas si vous voyez soit ma tête ou soit mes chaussures, parce que c'est vrai que j'ai encore une fois, j'ai pas de retour direct, donc je vois pas, c'est pas facile de moi de cadrer par rapport à mon téléphone portable. Je dois mettre ça sur genre un carton plus un autre, plus que ça, mon portable il tienne contre un siège. Enfin, c'est vraiment bizarre. Je pense que ouais, je vais investir à un moment donné dans un appareil photo, un délire comme ça, mais ça sera quand je toucherai par rapport à YouTube et c'est pas gagné. Donc voilà, pardon. Donc j'ai mis ça avec mon fameux Marcel que j'avais mis sur le groupe. Enfin, c'est un t-shirt à la base et j'ai coupé. Je fais mon petit Marcel comme ça. Alors ne vous attendez pas à ce que je mette des t-shirts dans la vidéo avec la veste. Je le ferai pas. Je veux dire, on est l'été, ça fait style été. Je vais pas me faire chier, excusez-moi du terme, à mettre des t-shirts et tout. Surtout qu'à chaque fois, je dois les relaver. Donc je vais pas le laver alors que je l'ai pas mis une journée entière. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'à chaque fois, ça s'agrandit par rapport aux bras, aux épaules et tout. Donc c'est un peu relou aussi. Parce que sinon, je pouvais très bien mettre les deux t-shirts Asos, le noir et puis le blanc. Et ça aurait très bien donné. Je vous ferai peut-être ça un jour où je porterai la tenue toute la journée. Comme ça, vous aurez la photo. Et je vous mettrai sûrement le lien dans les commentaires. Peut-être, ça arrivera, mais ce ne sera pas pour aujourd'hui dans la vidéo en tout cas. Donc voilà. Donc voilà, avec Sarwell 6 June blanc. Donc Sarwell que beaucoup demandent. Hein, avec les Supra Estaban. Donc, moi je trouve que ça fait nickel. Ça rend super bien. Avec du gris et tout. Franchement, vous pouvez mettre du rouge. Et ça éclate vraiment bien. C'est comme avec du noir. Donc voilà. Donc ça, c'est la deuxième tenue. Je vous fais le tour comme ça vite fait. Hop, voilà. Vous voyez qu'à l'épaule, il y a quand même un assez large trou pour mettre les bras, tout simplement. De derrière.
sur le côté. Voilà. Et de devant encore une nouvelle fois. Donc, je vais réfléchir pour une troisième tenue. C'est pas gagné. Et ça sera la dernière parce que je vais vraiment essayer de bosser à fond la vidéo, essayer de faire un beau petit montage. Pas que ce soit trop long, mais un beau petit montage comme ça, bah, ça fera une bonne petite vidéo d'été. Et j'espère qu'en tout cas, comment je pourrais dire ça? Je ne sais pas. Bref, j'espère que vous passez un bon moment tout simplement. Et puis que bah, tout simplement, vous vous amusez derrière votre écran en me regardant. En tout cas, je reçois vraiment beaucoup de commentaires qui font énormément plaisir. Donc, ouais, donc à tout de suite pour la troisième tenue, les gars. Doom! C'est bon, les gars. J'ai trouvé ma troisième tenue. Et j'ai hâte de voir le résultat en vidéo parce que. Je sais, j'avais dit pas de t-shirt et tout, mais bon, ça c'est le t-shirt Uniplay, c'est pas pareil. Le t-shirt Uniplay, il est déjà. En fait, c'est un putain de t-shirt hyper beau et tout, carrément une bonne coupe de ouf, mais la qualité elle est pas là en fait. Je le remarque au fur et à mesure que je le porte, il se détend carrément plus, il prend vraiment beaucoup de largeur. Là, c'est parce que c'est la chemise, entre guillemets, qui la tient, parce que sinon, le truc il me tomberait à là, vous voyez, ça me ferait un. Décolleté de malade, quoi, ça serait un truc de ouf, quoi. Donc voilà, bon, avec Sarwell Six June. Tiens, j'ai pas fait mon nœud. Enfin bref, c'est pas grave. Je vais le faire vite fait. Parce que sinon, ça va être galère. Ça va être relou. Super relou. Ah merde, le truc il s'est déjà détendu. Bon bref, c'est pas grave, de toute façon on voit pas. Donc, Sarwell Six June Bleu Snake avec Supra Spectre Chimera, les gars. Donc je ne sais pas si vous voyez soit ma tête encore une nouvelle fois ou les chaussures. Et avec bien évidemment la chemise Azos, sleeve, je sais plus quoi. Je mettrai ça de façon en titre. Ouais. Donc voilà ce que ça donne sur le côté, de derrière, sur le côté et de devant. Donc comme j'ai pas encore testé avec la chemise fermée, je vais vous le faire maintenant parce que je suis sûr qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui s'est dit dans la vidéo, mais s'il a des boutons, quand est-ce qu'il a fait? Bah, je vais le faire maintenant, hein, Morey, hein, t'inquiète pas. Hein. Faut juste que. Ça, les boutons, c'est mes ennemis. Parce que j'ai beau kiffer les chemises et tout ce qui est avec boutons comme ça. Mais c'est tellement chiant à retirer et à mettre. C'est incroyable. Je galère. Depuis que je suis petit, de toute façon, j'en chie avec les boutons, je sais pas pourquoi. Enfin bref. Donc voilà, de derrière, donc avec le t-shirt, bon ça fait pas terrible non plus, on va faire ça comme ça. Hop, comme ça. Je sais pas si vous voyez encore derrière. Hop, voilà. Sur le côté. De devant. De côté. De derrière. Et de devant. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah rien, écoutez, c'est la fin de la vidéo les mecs, j'espère que ça vous aura plu et puis passez de bonnes vacances à ceux qui vont être en vacances et des bonnes vacances à ceux qui le sont déjà. Encore une dédicace à Elliot parce que bah voilà. Dédicace à Jérémy, Gaspard, tous les gens qui sont sur le groupe, là je cite ceux avec qui je suis le plus proche, Gaspard, Jérémy, Elliot, Oh, franchement, j'oublie les noms, mais il y en a tellement avec qui je parle bien et tout. Enfin bref, voilà. Donc, portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo. Ce sera pour le mois prochain cette fois-ci. J'en ferai pas une entre les deux. J'arrête les vidéos sur les jeux vidéo. Enfin, du moins, au niveau des funny moments et tout. Donc voilà, à la prochaine, les gars. Salut!